RSE et entrepreneuriat, comment créer un écosystème favorable à la création d'entreprises en Afrique de l'Ouest? Élément de réponse dans ce journal. E-agriculture, la Banque mondiale visite le centre d'incubation Chise de Corde. Les détails tout de suite. Et puis dans le domaine de la santé, le fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire se dote d'un laboratoire médical. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Business N4 Africa. Comment créer un écosystème favorable à la création d'entreprises en Afrique de l'Ouest? La question sera au cœur de la conférence internationale sur les nouveaux modèles d'affaires en Afrique dénommée Inclusive Business Africa. Ouvert ce jour à Abidjan, les résultats des travaux de cette conférence permettront de trouver des solutions pour la réduction de la pauvreté par l'entrepreneuriat inclusif. Corona Sekongo, Marie Siri et Charlotte Kwaku pour le reportage. Ils sont venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique pour trouver des solutions à un entrepreneuriat inclusif en Afrique de l'Ouest. Organisée par la cellule d'analyse de politique économique du CAPES CIRES, cette conférence Inclusive Business Africa veut promouvoir de nouveaux modèles d'affaires en Afrique. Par exemple, dans les pays concernés par le projet de recherche que nous conduisons, notamment le Burkina Faso, le Kenya et la Côte d'Ivoire, ces pays, pour ne citer que ceux-là, connaissent un taux de croissance important depuis un certain moment, mais les taux de pauvreté demeurent aussi assez élevés. Et l'accent est mis aujourd'hui sur la croissance inclusive. Et cette croissance inclusive passe notamment par le secteur privé. Donc il est important pour nous de montrer quel rôle peut jouer le secteur privé dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre les inégalités, dans la résorption des questions liées donc à la vulnérabilité et d'intégrer par exemple ces jeunes-là, ces personnes, dans les chaînes de valeur des entreprises. Les pays africains sont en nette progression économique. Malgré ces avancées obtenues depuis plus de 10 ans, 54% de la population dans 46 pays du continent vit toujours dans la pauvreté, selon les organisations internationales. La moitié des jeunes est sans emploi. Face à ce défi, la Côte d'Ivoire se veut le fer de lance avec des mesures favorables à un entrepreneuriat inclusif. Il s'agit de l'adoption, comme vous le savez, le 1er août 2018, de l'ordonnance portant sur le code des investissements plus attractif qui est soumis au Parlement, un remplacement de celui de 2012 qui accorde des avantages spécifiques aux PME et prend en compte la problématique du contenu local pour rendre la croissance plus inclusive. La création du guichet unique de formalité des entreprises qui permet de réduire les coûts et les délais de création des entreprises. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la notion de modèle d'affaires est courante en Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Il a pour cela traduit sa gratitude au Canada qui se dispose à accompagner l'Afrique pour la mise en place d'un écosystème favorable à la création d'entreprises. Si nous pensons aux ODD, les objectifs de développement durable, l'engagement que tous les pays membres des Nations Unies, y inclut le Canada, la Côte d'Ivoire et vos pays, on a pris ensemble ces engagements pour améliorer la vie d'ici 2030. Nous ne pourrions pas atteindre ces objectifs que par un effort collaboratif entre gouvernement, le secteur privé, les ONG, l'académie et les communautés eux-mêmes. Les résultats des travaux de cette conférence sont attendus pour ce vendredi. Ils permettront d'aider l'Afrique de l'Ouest à atteindre les objectifs du développement avec un secteur privé plus dynamique. Toujours en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert à Abidjan la 110e édition de la session ordinaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Au cours de ce forum, le conseil d'administration a échangé sur l'état des lieux du marché et les stratégies pour le développement de l'énergie solaire en zone UOMOA. On reste avec Corona Sekongo pour le reportage.
C'est sur une note d'espoir que s'ouvre la 110e session ordinaire de la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, vu le nombre de projets financés au bénéfice des populations de la zone UEMOA. Au terme du premier semestre 2018, 27 opérations ont été approuvées par le Conseil pour un montant total de 306,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global des engagements de la BOAD en faveur des États et du secteur privé à un montant de 5 201 milliards de francs CFA pour 1129 projets. L'institution se dit prête à mobiliser les fonds pour faire face aux défis auxquels est confronté le continent. Nous rentrons du sommet Chine-Afrique et nous avons tous écouté et apprécié les interventions du président Xi Jinping et celles des pays africains. Nos dirigeants y ont rappelé les défis qui se posent toujours à notre continent en général et à notre zone en particulier, à savoir la nécessaire transformation de nos matières premières, la modernisation de nos infrastructures, l'éclosion d'une économie numérique, les problèmes de chômage des jeunes, les logements abordables, le traitement des déchets, l'assainissement, l'éducation et la santé, la question des changements climatiques. Tous ces défis sont inscrits en bonne place dans les sollicitations des États membres et nous sommes attendus pour apporter des réponses concrètes dans le cadre des missions qui sont dévolues par nos statuts. Lors de cette session, de nouveaux projets seront soumis à l'attention du Conseil de l'institution. Nous aurons ainsi à examiner 6 projets touchant directement le quotidien de nos populations, dont l'alimentation en eau potable des centres semi-urbains au Togo, l'aménagement et le bitumage de la boucle du Blouf en République du Sénégal, le financement partiel du projet de construction d'une tour multifonction de 20 niveaux à Dakar par la Caisse des dépôts et consignations en République du Sénégal, le financement du projet de viabilisation du site et de construction de 752 logements sociaux et économiques à Wedo dans la commune d'Aboumé-Calavi en République du Bénin, le financement partiel du projet de renforcement de la capacité de production d'énergie par la construction d'une centrale thermique diesel de 15 MW à Bor en Guinée-Bissau, la proposition de prêt de financement partiel du projet de réalisation des travaux confortatifs de l'hôtel de février au Togo. Le 14 novembre prochain, la Banque Ouest Africaine de Développement va célébrer ses 45 années. À cet effet, un forum de haut niveau est prévu à Lomé au Togo autour du thème « L'énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA, état des lieux, enjeux et politiques à recommander ». La tournée régionale africaine du nouveau vice-président de la Banque mondiale se poursuit. C'est dans les locaux de Chisdecode, un centre d'incubation pour jeunes femmes développeuses, que le vice-président et sa délégation ont déposé leurs valises. L'objectif de cette visite est de s'imprégner des contraintes rencontrées par les start-up liées à l'agriculture et inciter la gente féminine à promouvoir l'entrepreneuriat dans un écosystème numérique. Daniel Kodjo pour le commentaire. Après sa rencontre avec les promoteurs de start-up ivoiriennes, le vice-président de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, a tenu à rencontrer ce groupe de jeunes femmes spécialisées en développement d'applications. On les appelle les codeuses. Elles sont toutes issues du centre d'incubation chez Ease the Code, situé à Cocody. Au centre des échanges, expliquer aux jeunes femmes combien il est important de joindre à leurs compétences des formations pratiques dans le secteur agricole. Pour Hafez Ghanem, la Banque mondiale a le souci d'améliorer l'employabilité des femmes et d'accroître leurs revenus. Et ceci par le financement des projets visant à valoriser le capital humain, encourager le développement du secteur privé et accroître la productivité agricole. Cette école, c'est surtout les jeunes femmes. Et nous sommes aussi convaincus que le développement économique nécessite beaucoup plus d'implication des femmes dans la vie économique du pays. Et donc l'investissement dans l'éducation des femmes est quand même un des investissements les plus importants pour le développement de la Côte d'Ivoire. Alors c'est pour cela, ça m'a fait grand plaisir de voir ces jeunes femmes qui sont en train d'étudier l'informatique et qui sont en train de sortir dans la vie et être actives dans leur communauté. Quant aux jeunes femmes codeuses de She Is The Code, elles ont démontré au vice-président de la Banque mondiale leur volonté de mettre sur pied des projets utiles pour la Côte d'Ivoire. Ça fait déjà la deuxième rencontre que nous avons avec la Banque mondiale. À la suite de celle-là, nous espérons que vraiment les choses se décantent pour que nous puissions avoir cette collaboration efficace. Nous
souhaitons que la Banque mondiale nous accompagne dans la concrétisation de nos projets. Les responsables du centre chez Ease the Code, pour leur part, ont salué l'initiative de la Banque mondiale qui consiste à inciter la gente féminine à mieux promouvoir l'entrepreneuriat dans l'agriculture au profit de l'écosystème numérique. Au niveau de chez Ease the Code, vu que nous apprenons à créer du code, à manipuler les technologies pour différentes applications, nous allons de plus en plus orienter certaines d'entre nos participantes à travailler sur des problématiques liées bien évidemment à l'agriculture. La Banque mondiale, entre autres, a parlé d'investir dans l'agriculture. Et voilà, ça tombe bien parce que nous avons certaines jeunes femmes déjà au sein du programme qui abordent dans ce sens-là. Chez Ease the Code est piloté par l'entreprise sociale Akendewa SAS. Depuis 2016, ce sont 853 jeunes femmes qui ont été formées au coding, au digital management et à l'entrepreneuriat. Cette rencontre entre la Banque mondiale et chez Ease the Code est à l'initiative du PSNDEA, projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales, et le e-agriculture, coordonné par Danon Henry. Parlons de santé à présent. Le FPPN, Fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire, vient de se doter d'un laboratoire d'analyse médicale. Objectif, redynamiser sa politique sanitaire et assurer un bon suivi des soins administrés aux policiers. Le reportage d'Amine Diadé, Lignon Gilbert, dans un commentaire de Lawani Babatunde. Des appareils pour suivre l'hématologie, l'hémostase, la biochimie, l'immunologie et la bactériologie des policiers ivoiriens dans les règles de l'art. C'est le nouveau laboratoire d'analyse médicale du FPPN, le Fonds de prévoyance de la police nationale, présenté au grand public à son siège dans la commune de Makori. Les appareils de dernière génération, dont la fiabilité et la rapidité sont prouvés selon les promoteurs. Un appareil qui peut faire toutes les analyses avec le 5 différentiel, donc toute la lignée leucocytaire, mais aussi cet appareil a la particularité de pouvoir gérer tous les enfants qui sont anémiés et sortir une formule leucocytaire normale, c'est-à-dire on n'a même pas besoin de faire de prélèvement, on va juste prendre un peu de sang au bout du doigt. Avec 35 microlitres, on a la possibilité de faire sortir une formule complète sur cet appareil-là. Nous avons aussi mis des automates de biochimie. Ces acquisitions sont les résultats du partenariat signé entre le Fonds de prévoyance de la police nationale du Côte d'Ivoire et Team Medical, une entreprise spécialisée dans les équipements hospitaliers et biomédicaux. L'équipementier s'est engagé à fournir le matériel et le personnel adéquat dans le cadre de cet accord. La santé, c'est la vie. Le FPPN l'a bien compris. Il s'engage à mettre à la disposition du Team Medical le local et le mobilier nécessaire à l'usage de ce joyau. Fait marquant, en plus de prendre en charge les policiers et leurs familles, le laboratoire du FPPN a ouvert ses portes à la population. Aujourd'hui, nous avons conçu une polyclinique qui attend d'être équipée et puis ouvrie. Pour l'instant, nous invitons tous les policiers, les parents des policiers, d'où qu'ils viennent, que nous avons un des laboratoires les plus performants de Côte d'Ivoire. Et de façon accessoire, il est ouvert au public. Mais je pense que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que, en même temps que nous avons le souci d'avoir de bons résultats pour permettre la prise de décision pour mieux soigner les policiers, il faut l'étendre, n'est-ce pas, à toute la population. Depuis sa création, le 27 juillet 2000, le Fonds de prévoyance de la police nationale entend améliorer les conditions de vie des policiers. Il vise à assurer les investissements à but social, la couverture partielle ou totale de certains risques et inculquer aux policiers l'esprit d'assurance. Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, le FAFCI remet des chèques aux femmes du district d'Abidjan. La lutte contre la pauvreté est en marche en Côte d'Ivoire et le FAFCI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, y contribue. Cet outil d'autonomisation des femmes mis en place en 2012 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a posé ses valises dans la commune d'Abobo. Les détails avec Hervé Blagnon et Richard Akiki. Promouvoir le genre à travers l'autonomisation des femmes,
La première dame de Côte d'Ivoire attache du prix à cet idéal social. Et ce jeudi, dans la commune d'Abobo, elle a réaffirmé sa politique de l'émergence au féminin avec une enveloppe d'1,5 milliard CFA aux femmes du district d'Abidjan. Une bouffée d'oxygène pour les heureuses bénéficiaires. Le FAFSI nous permet aujourd'hui, nous les femmes de Côte d'Ivoire, d'être indépendantes, de ne pas toujours tendre la main, d'être aujourd'hui, d'avoir une autonomie financière. Merci à maman Dominique Ouattara. Merci pour le bonheur qu'elle apporte dans les familles ivoiriennes. Il y a eu l'échec. Je vends les fourneaux à les assiettes. Je m'ai acheté à cet argent-là pour augmenter mon commerce. Je vends au marché de bois sec. Je vends le poisson sec. Plus la pâte d'arachide, les oignons. Mais avec ce chèque, je vais augmenter plus mon commerce. Je vais prendre encore des choses que je n'ai même pas encore vendues, qui vont me rapporter beaucoup. Selon la première dame, cette nouvelle enveloppe du FAFSI va élargir l'assiette de solidarité au profit des femmes. Objectif, leur permettre d'exercer diligemment des activités génératrices de revenus. Chaque femme, un rôle primordial à jouer dans le développement de notre belle nation. Et le FAFSI a été créé pour aider le plus grand nombre de nos sœurs à entreprendre une activité génératrice de revenus. Ce fonds additionnel du FAFSI vient renforcer les capacités financières de cette banque sociale. Il est réparti entre les communes du district d'Abidjan. 200 millions pour les femmes d'Agobo. 100 millions pour Adjamé. 100 millions pour Aniama. 100 millions pour Atékoubé. 100 millions pour Bergerville, 100 millions pour Cocody, 100 millions pour Koumassi, 100 millions pour Marcory, 100 millions pour le Plateau, 100 millions pour Port-Boué, 100 millions pour Songo, 100 millions pour Trècheville et 200 millions pour Lyon-Coubo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a marqué sa présence au cours de cette cérémonie. Il n'a pas manqué de souligner sa confiance en la femme, lui-même issu de milieux défavorisés, comme de nombreuses femmes d'Abobo. Pour Ahmed Bakayoko, les femmes ont le potentiel de sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté. Il suffit juste qu'on leur donne un coup de pouce. Madame la Première Dame, que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste, que vous apporte tout le soutien. Parce que moi qui parle aujourd'hui, je suis ministre d'État en Côte d'Ivoire, un grand pays. C'est un grand honneur, une grande fierté. Mais moi, je suis également le fils, l'enfant de toutes ces dames. Je suis le modèle, l'illustration de ce que, qu'avec ces soutiens que vous apportez, les femmes peuvent fabriquer des Ahmed Bakayoko. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est un outil de promotion économique et sociale du genre. Il vise à lutter contre la pauvreté. À travers ce fonds, depuis 2012, Dominique Ouattara a octroyé plus de 20 milliards de francs CFA de prêts à plus de 200 000 femmes. Puis cette information en bref et en image avant de refermer ce journal en Égypte. 5 banques locales et internationales ont accordé un prêt syndiqué de 2,4 milliards de livres égyptiennes à la firme égyptienne Oilers Company. Ces fonds sont destinés à la construction d'un complexe industriel d'extraction, de raffinage et d'emballage d'huile végétale. Objectif, fournir des produits à faible coût sur les marchés égyptiens et arabes. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Reste sur Business N4 Africa.